Hernandez, es-tu là? Sors de cette sphère! Ça se déplace maintenant sur les côtés. Regarde le Grigou comme il se barre. Bon, l'effet global quand même, c'est que les objets donnent l'impression d'être vachement plus proches. J'entends par là que il y a une dimension hors écran que je ne vois pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire les objets quand ils sont censés être dans l'écran, il y a une partie que je ne vois pas, qui est dehors de l'écran, j'ai l'impression. C'est ce qu'on appelle la VR. Bon, pas malade. C'est bête. Salut. Oh shit. Je crois que je suis amoureux là. On va se faire un petit tour. On va se faire un petit tour en voyage. Juste pour test. Alors le casque, c'est pas évident de trouver la position qui convient. Ah non mais là il y a une proximité. Les objets font vraiment. Les objets font vraiment plus proche que dans le monde. Les plus proches, genre ils apparaissent plus tôt on a l'impression. Enfin, ou plus tard et du coup on a un peu de sous-sail pour. Il y a plus de réflexes à chemin.
Ah, l'échec. Et le bouton pause. Fort quand même. Bien, 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 bien. Alors, il y a un petit truc important, c'est le réglage du casque pour qu'il corresponde à sa vue, qui ferme un maximum les jours au niveau des joues et qui tienne quand on fait des mouvements un peu bruscos. Donc là, je vais prendre 2 secondes pour essayer de trouver quelque chose qui me convienne mieux, parce que on peut pas régler l'angle apparemment du casque. On se le met sur le but, on serre, et si on serre trop, il rebique, donc on a du jour en bas. Si on serre pas assez, ben, il se balade. Et si on serre trop, il a tendance à remonter sur le dessus du crâne, ce qui fait qu'on se recrée des... Merde, ma manette, je la vois plus. Ce qui fait qu'on se recrée des zones de flou. Là, j'ai à peu près correct, mais je sens pas que le casque me tienne du coup. Pour que je vois comme il faut, ouais. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que les gens presbytes peuvent jouer. Là, on a un exemple réel. Et j'y retourne. Là, je regardais si personne me suivait. Oh, c'est beau. Les objets en gros s'appellent. Oh, y a des fois où ça remue vraiment pas mal. Oh le con. J'ai toujours pas la position de casque idéale. Il est en train de se barrer. Oh. Et j'y vois flou. Idéale, c'est sur le haut du crâne. Mais du coup, le truc ne tient pas tellement. Pause. Pause. «
seul le son du micro est diffusé. Oui, ben c'est une joie parce que je dois vraiment avoir l'air con. Et du coup, ce champ réduit, ça augmente la difficulté du jeu. Ouais, j'ai l'impression qu'il me manque 25% d'image sur les bords, etc. Mais nous allons retrouver Francis le runner, grand runner si l'on est. Tiens, il manque une étape. Francis, où es-tu? Ça fait trop bizarre de voir se retourner dans ce jeu. Oh putain, oh putain. Francis. Ouh, ça commence à secouer là. Alors là, j'explique quand même, je suis sur le canapé, donc je peux pas tourner comme je veux. Quand je tourne, je me casse vraiment la colonne. Voilà, Francis, repasse devant. Oh, tiens, méchant. Alors c'est clair qu'apparemment pour les mouvements qui sont des translations simples, ça passe vachement bien. Dès qu'on commence à taper dans la vrille, ben de toute façon dès qu'on regarde déjà une vrille en 2D normal, ça retourne un peu. Donc c'est tout à fait normal que sur le mode VR ça retourne beaucoup. Oh là là. Alors niveau définition, c'est... Je sais pas ce que vous voyez sur le stream. Moi, ça me donne des... On sent une fréquence et une rémanence propre aux affichages numériques. Ça fait un peu penser aux vieux LCD qui avaient une petite rémanence ou qui faisaient des zones de flou parce qu'ils étaient tout le temps en train d'interpoler deux pixels. Je sais pas si j'exprime ça comme il faut. C'est assez bizarre. Parce que du coup, oui, c'est pour ça que tout le monde dit qu'on a une définition qui est assez pourrie, ce qui n'est pas faux. Mais du coup, le flou, c'est pas forcément désagréable si les graphistes et les programmeurs sont pas cons pour être capables de s'en servir. Intéressant. Je vous dis à 20h30, je sais même pas quelle heure c'est, il faut que j'enlève le melon. 20h30, on se fait une petite séance res qui aura pas besoin de bassine apparemment, ça a l'air bien parti pour. Et puis voilà, alors rappel de la programmation, ce soir on se fait res, je pense que je vais craquer, je vais faire peut-être un petit test de Valkyrie parce que le fantasme de gosse d'être dans un cockpit de vaisseau spatial, on est bien d'accord qu'on l'a tous eu. Et je vais pas résister, c'est clair. Par contre, je ne jouerai pas forcément à F-Valkyrie. Hein. On fera du jeu sur Rez. Et gueulez sur le Twitter si vous voulez que je me fasse caca dessus en faisant un Resident Evil 7 dimanche. End of stream.